Tu sais, je ne saigne plus. Quoi? Je crois que je suis enceinte. Et alors? Je peux vendre le café, racheter une boucherie ailleurs. Et pourquoi faire? Pour repartir à zéro. Tous les deux. Et Cynthia? Tu lui diras la vérité? J'aurais tellement aimé qu'elle m'appelle papa, au moins une fois dans ma vie. Mais non, tout ce que j'aurais aimé dans la vie, je n'ai jamais eu. Pas de mère, pas de femme. Et même ma fille, je n'ai pas vraiment eu. Mais elle, je l'ai aimée. C'était la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer dans un bled pourri avec cette grosse salope. Elle, elle a eu ce qu'elle voulait. La même chose que toutes les femmes d'ailleurs. Un bébé qui lui pompe les seins, qui grandisse et la protège jusqu'à la mort. C'est tout con à faire, et ça leur donne l'impression que leur vie a un sens. Comme si la vie pouvait avoir un autre sens que sa propre survie. Le monde, c'est chacun pour soi. Un type tire sa crampe, et pour un orgasme de 9 secondes, son enfant doit morfler pendant 60 ans. Mais la grosse, est-ce qu'elle se rend compte que l'existence de son enfant sera encore plus nulle que la sienne? Sûrement qu'elle a calculé que ce bébé lui torchera le cul quand elle sera vieille. C'est sûr que c'est pas moi qui vais lui tenir la main dans son lit de mort. Oh non.